Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour ouvrir ensemble l'ETB de la dernière série en date, Couronne Stellaire, voilà. Donc, c'est aussi de la découverte parce que je n'ai pas encore vu ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que la promo, c'est un Noir Fang, voilà, le Noir Fang qui est ici. Voilà, donc l'ETB est plutôt joli, hein, avec le Terrapagos en premier plan. Donc c'est parti, on va s'ouvrir ça. Et on va découvrir son contenu. Hop. Voilà. Alors, le fourreau avec évidemment le livret, avec toutes les. Ils mettent dedans toutes les cartes de la série. Voilà. Voilà, parfait. Donc, on a ici tous nos paquets. Voilà, donc logiquement il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, je compte toujours parce que c'est déjà arrivé. J'ai déjà entendu des personnes qui en ont eu moins. Voilà, d'autres qui en ont eu plus, c'est déjà arrivé aussi. Les sleeves Terrapagos. Ouais, c'est moyen. Le paquet d'énergie, ça ira au feu de cheminée. Des dés. Le jeton. Elle est où ma promo? Elle est là ma promo. Voilà. Ah, ils ont mis la promo. Ah, j'aime pas. Ils auraient pas dû faire ça. Ils ont mis la promo avec les. C'est stupide. Ça, c'est stupide par contre. C'est un coup abîmé la carte. Ça, j'aime pas du tout. Est-ce qu'ils m'ont abîmé? Non, ça va, elle est clean. Elle est clean. J'ai de la chance. Voilà la promo. C'est un Noir Fang promo AR. Elle est très belle. Donc on voit que le Noir Fang, il est dans son tronc d'arbre et il a dû voler pas mal de choses. Il y a des baies, des boutons. Voilà, il s'est fait plaisir. Un petit voleur, le Noir Fang. Donc, elle est très jolie, cette carte. Petite promo AR, là. C'est cool qu'ils mettent des AR en promo dans les ETB, là. Franchement, c'est vraiment cool. C'est une bonne idée qu'ils ont fait ça. Mais par contre, foutre la promo avec ça, là. Non. C'est pas bien. Donc voilà, la petite promo ici et tout un booster là. Allez, on s'ouvre tout ça. Donc l'objectif, c'est d'être rentable. Hein. 55 € l'achat de l'ETB en magasin. Le but, c'est d'être rentable sur notre achat. Le gourmelet que je trouve vraiment beau sur cette illustration avec ses oreilles dressées. Electek, l'Estombel, Lilia, Beyayap, Avaltou, Délestin. Et on a eu beaucoup de chance hein, sur l'ouverture de la découverte de la série. Ceux qui n'ont pas vu, allez-y. On a vraiment eu de très très belles cartes. Rhinastock Holo Reverse. Bechoco. J'espère qu'on aura autant de chance sur cette ouverture. Et Megapagos Holo. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça démarre pas très très bien. Et c'était le booster d'échauffement. C'était le booster d'échauffement. Voilà. Allez. Verpomme, Écaillon, Moumouton. Il est vraiment beau le Moumouton. J'aime bien. Kellocroc, Bria, que je veux en alternative. Jirachi, Roigada, Roc de Fer, Holo Reverse. Elle est très jolie en reverse. Elle est vraiment belle. Hein. Ok pour le Roc de Fer, Fourbelin en reverse et Melmetal Holo. Aïe aïe aïe. Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Non. Ah. Mais voilà. Nous on veut de la grosse carte Saras. Allez, de la R minimum. Motisma Elis, Pomme, Tic, Baudrive et les câbles. Azumarill, Lucanon, Moumouton en reverse, qui est vraiment beau, je sais pas, je l'aime bien. Flamajou en reverse. Ah, punaise. Ça veut pas, là. Là, ça veut pas. Trois boosters, rien. Il nous en reste, du coup, encore 6. Ok. Out, out. Chrysapile. Evoli, magnifique.
Guériland, Elecable, Boreas, Coraidon, Coxy, trop beau avec le petit petite fleur là, Coxy en reverse. Oh là, Melton en reverse. Allez, une belle full art, c'est quoi ça? Non, c'est une ex classique. Melmetal ex. Je crois que c'est la pire ex possible. On avait eu les deux meilleures ex dans la dernière vidéo. Et là, je crois que c'est la pire. La pire qu'on peut avoir, Melmetal. Tout le monde se fout de ce Pokémon. Allez, il nous reste 5 paquets. C'est vraiment pas incroyable pour l'instant. On a peut-être eu les pires. On a commencé par les ouvrir les pires boosters. Là, on va voir les meilleurs. Fossile Racine. Trop bien. Charmina. Oh, il est quand même stylé. Motorizard. Charbambin. Le Mewtwo qui pète la classe hein, pour une peu commune. Là, ils sont gavés. Combu. Flambusard. Charmina en reverse. Avaltou en reverse. Et Pondralugon holo. Alors, je sais qu'il y a une AR de ce Pondralugon, mais elle est vraiment moche. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. C'est vraiment pas celle que je veux avoir. Hein. Allez, il nous reste 4 paquets, les gens. Pour l'instant, c'est vraiment léger. Hein. C'est même pas terrible. Je disais en début de vidéo que le but, c'est de rembourser le TB. Ben, on n'y est pas du tout. Hein. Electek. Tournicoton, Marill, Passe Rouge, Béchoco, Chaufouine, Combu, Motismailis, ah oh là là, Duralugon et Angoliath. Ouais, c'est pas fou, on passe mytho. 3 paquets, j'ai peur, hein. J'ai vraiment peur. Gambex, on l'a encore jamais vu. Vortante, le pédophile, là, le violeur dans les bois. Là. Vraiment, flamme à joue. Tout à fait. Trompette de verre. Crabominable. Béchoco. Luminéon, trop beau. Trop beau. C'est une AR. Alors, qu'est-ce que ça peut être? De toute façon, moi, l'objectif, ce serait Bulbizarre Carapuce. Mais là, j'ai un doute. Ah, c'est pas Crabominable. Ça fait un peu neige. Ah ouais, mais en vrai, elle est belle. Crabominable, elle est vraiment jolie. Ah ouais, regardez-moi ça. Autant le Pokémon, il est vraiment dégueulasse. Hein. Mais là, ils t'ont fait un Pokémon classe. Vraiment classe. Non, elle est vraiment belle. Et la brillance ressort l'effet de neige, tempête de neige. Franchement, elle est vraiment jolie. Je l'aime beaucoup. C'est bizarre, hein, j'aime beaucoup cette carte. Et Irrfoudre holographique. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Petit coup de cœur pour celle-ci, vous voyez. Ah, ouais, petit coup de cœur pour celle-là. Ah ouais, celle-là est pas mal du tout. Hein. Allez, il nous reste 2 cartes. Deux paquets. Ah là, je suis content. Là, je suis content. J'ai un peu d'espoir, du coup. Pomme. Lilia. Vrombi. Gourmelet. Terra Cruel. Ossature, très stylé. Luminéon. Kungfuin, pardon, en reverse. Click. Et Rhinastock Holo. Aïe, aïe, aïe. Il nous reste un paquet, les gens. Un paquet. J'appelle Tarot Alternative. Allez. Allez, moi, je suis comme ça. Alternative, direct. Et je veux Tarot. Tritox, très joli. Chrysapil. Pandespiègle. Chaglam. Roigada. Diancy. Lucanon. Passe Rouge en reverse. Wow, rien du tout, ouais. Rubépin. C'est une Terra Crystal X. Low Class X Terra Crystal. Elles sont belles dans cette série, les Terra Crystal. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de nouveau. Et je les trouve belles. J'aurais bien aimé l'avoir en full art, celle-ci. Parce qu'elle existe en full art. Ok, bon.
Bah écoutez, le TB est complètement pas rentable, on va pas se mentir. Un peu décevant là-dessus. Mais sinon, de toute façon, je compte en ouvrir à chaque fois une déjà pour la promo. Et puis c'est un plaisir après. J'ai déjà eu des ETB complètement rentables. Bon, celle-ci, heureusement, j'ai chopé l'AR, sinon je serais parti chialer dans les bois. Ça, c'est certain. Hein. Voilà. Je pense que sur cette série, en vrai, j'aime bien la série. Je pense que je vais encore en ouvrir. J'aime bien. Je pensais pas dire ça, hein, vraiment. Je pensais que j'allais pas ouvrir plus que ça, la couronne stellaire, mais en vrai, j'aime bien. J'aime bien, les cartes sont belles, toutes les illustrations sont belles. Les AR sont vraiment, vraiment magnifiques, les illustrations. Là, celle-là, par exemple, vous voyez, déjà, je la trouvais belle en photo sur Internet et tout, mais la voir entre les mains, bah, c'est vraiment un gros coup de cœur, la Crabe au Minable. Je pensais pas dire ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Elle est magnifique. L'effet de brillance ressort bien la neige. J'adore. J'adore vraiment. Voilà. Et puis, il y a des alternatives que je veux absolument, comme Bria et Taro. Et Pomme d'Orochi. Voilà, c'est les alternatives que j'aimerais avoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!